la France, ont un lien spécial avec leur cuisine. Un lien historique, un lien économique, un lien lié au territoire. Et donc, c'est un sujet important pour nous aujourd'hui. Vous avez fait un début de tour sur le salon. Quelles sont les émotions que vous avez ressenties? Qu'est-ce qui se dégage aujourd'hui? Je trouve qu'il y a une très belle ambiance sur ce salon, cette fois-ci, cette année. Il y a beaucoup d'énergie et aussi beaucoup d'espoir. On sait qu'il y a un certain nombre de problèmes dans l'agriculture française. Je pense qu'on va arriver à trouver des solutions, en tout cas des débuts de solutions rapidement. Mais on sent aussi beaucoup d'énergie et donc beaucoup d'idées nouvelles. On sent que les agriculteurs et tous ceux qui participent à ce monde, au-delà des agriculteurs, pensent à l'avenir. Et je trouve que c'est très prometteur. Je vais vous dire quelque chose qui va vous faire plaisir. Si je vous dis de la fourche à l'assiette, que se passe-t-il? Ou de la fourche à la fourchette, que se passe-t-il? Oui, eh bien, quand vous dites ceci, en effet, ça me fait plaisir parce que c'est l'ensemble de tous ceux qui travaillent pour notre art culinaire, pour notre patrimoine culinaire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a réussi à avoir cette inscription à l'UNESCO du repas gastronomique des Français. C'est bien parce qu'on a ce lien de la fourche à la fourchette. Donc, depuis l'agriculture, en passant par toutes les industries agroalimentaires, en passant par la restauration, les chefs, jusqu'aux arts de la table, avec énormément de métiers, énormément de passionnés qui vont mettre en valeur les atouts de la France, parce qu'il faut bien parler d'atouts. Une dernière question, un mot d'encouragement à tous ceux qui sont ici. Écoutez, moi je suis très fière de mon pays, très fière de l'agriculture française, des agriculteurs, et je suis persuadée que demain sera très positif. Merci beaucoup. Je rappelle que nous étions en plateau avec Catherine Dumas, sénatrice. À très vite sur les réseaux sociaux, @villagesemences. Merci.